Alors, salut, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour commencer rapidement, je vais vous lire la citation du jour. La folie, c'est de refaire la même chose et d'en attendre un résultat différent. C'est une citation d'Albert Einstein. Vous devez le connaître. Je vous demande simplement de méditer sur cette citation, les amis. Alors, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, si vous ne me connaissez pas et que c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne, alors moi, je suis Ricardo Dosso, je suis un crypto-trader et au travers de ma chaîne, je partage les opportunités de business avec vous, notamment les business ayant rapport avec le trading des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, de façon générale, je partage tout cela avec vous, les amis. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir de nouvelles vidéos, vous puissiez être les toutes premières personnes quand même à pouvoir visualiser ces vidéos. C'est très important, les amis. Et la deuxième chose, vous allez voir en bas de la description de cette vidéo le lien de notre forum Telegram. Cliquez dessus, rejoignez-nous sur le forum. Nous partageons énormément de choses là-dessus. Je suis sûr peut-être que vous-même, vous avez des choses à partager également avec nous. Donc, rejoignez-nous, les amis. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, j'ai un projet quand même assez intéressant à vous présenter. Mais je le dis, c'est intéressant pour moi et après, vous allez voir si c'est intéressant également pour vous et vous allez pouvoir investir là-dessus après. Donc, le projet a pour nom Adshare, vous voyez, et le dollar qu'ils utilisent, c'est ça qu'on appelle ici le dollar ADS. Donc, je peux dire ça en abrégé ADS, vous voyez. Alors, qu'est-ce que ce projet-là vient nous proposer dans l'écosystème de la technologie blockchain des crypto-monnaies? C'est un projet qui nous propose, d'abord, c'est un projet qui évolue dans le métaverse, vous voyez, et il nous propose de pouvoir faire de la publicité. Donc, nous allons faire de la publicité et lorsque nous allons faire de la publicité, nous allons utiliser leur plateforme pour pouvoir faire de la publicité. Lorsque nous allons faire de la publicité, nous allons pouvoir gagner en vue, donc faire promouvoir notre projet à nous, vous voyez, et nous allons pouvoir également, si je peux le dire, gagner également de l'argent. Alors ici, lorsque vous voulez faire de la publicité, ils vont vous louer, vous allez louer des espaces, vous voyez dans le métaverse, vous allez pouvoir faire des expositions, donc de NFT et aussi faire des publicités sur des sites web ou bien faire des publicités de votre site web, etc., etc. Donc c'est quand même un projet quand même assez intéressant puisque vous savez que dans le métaverse, nous avons beaucoup, beaucoup de choses que nous pouvons faire, notamment construire nous-mêmes notre, si nous achetons par exemple de l'ant, nous allons construire nous-mêmes notre propre terre, mettre ça en valeur et après louer cela. Vous voyez, lorsqu'on veut louer, nous pouvons faire de la publicité pour que les gens puissent venir s'intéresser à cela. Et si nous devons faire de la publicité, nous allons pouvoir utiliser cette monnaie, donc ADS, et pouvoir faire de la publicité et gagner en vue et en argent également. Donc, je vais vous montrer un peu leur site, comment ça se présente, de quoi ils parlent réellement sur le site web pour que vous-même puissiez voir. Donc rapidement, je vais voir ici. Donc tout de suite, vous allez voir ici, c'est un projet quand même qui est basé sur blockchain, donc c'est basé sur la blockchain de Binance, de l'Ethereum et sur la blockchain de Polygon. Vous voyez, donc c'est sur ces trois blockchains-là. Et elle aussi a déjà sa propre blockchain. Vous voyez, elle a aussi sa propre blockchain. Donc c'est quand même un projet quand même assez intéressant. Et ici, vous avez les différents contrats hein, des trois différentes blockchains que nous avons sur ce projet-là. Donc ici, ils nous expliquent un peu leur projet. Vous voyez, ils nous expliquent un peu leur projet. Et ici, les pièces sont d'abord aussi déflationnistes. Vous voyez, et vous pouvez également faire du staking pour pouvoir gagner des jetons en plus. Donc ici, ils vous donnent la puissance de leur blockchain. Vous voyez. Ici, on dit la blockchain de la vitesse de service d'entreprise peut traiter 1,4 trillion hein, de transactions par seconde. Donc, c'est quand même assez énorme, les amis. C'est quand même assez énorme. Et eux-mêmes, ils ont leur propre blockchain, comme je vous l'ai dit.
Et ici, le nombre de jetons qu'ils ont, c'est très, très infime par rapport à d'autres projets que nous devons, si nous devons faire la comparaison. C'est vraiment infime. Nous allons voir tout à l'heure sur CoinMarketCap le nombre de projets, de pièces, de jetons qu'ils ont et la valeur actuelle de cette monnaie-là. Donc ici, vous permettre aussi de pouvoir rester anonyme. Donc, vos données personnelles sont conservées. Ce n'est pas que vos données personnelles seront diffusées comme le font certaines sociétés. Ce n'est pas du tout ça ici. Et ici, vous n'avez plus des intermédiaires. Vous allez vous-même directement faire vos annonces publicitaires, vous voyez, sans aucun problème. Donc, voilà un peu les amis par rapport à ce projet-là. Et ici, c'est également un projet qui est cross-chain, comme je vous l'ai dit. Donc, quand on dit cross-chain, c'est l'interconnexion, vous voyez, entre les différentes blockchains. Et ici, comme nous avons trois blockchains, ça veut dire nous avons la blockchain de l'Ethereum, BSC et Polygon. Donc, ces trois blockchains se connectent entre eux, au fait, quoi. Vous voyez. Et ici, leur objectif, nous allons voir. Ils ont dit qu'ils ambitionnent de devenir un acteur majeur de la publicité blockchain. Vous voyez, lorsque nous prenons Facebook, Facebook est meilleur donc dans son domaine. Non seulement c'est un réseau social, mais également dans la publicité Facebook, ils sont first. Vous voyez, donc ici, eux veulent être vraiment un acteur incontournable de la publicité blockchain. Et je pense que bon, avec un peu plus d'efforts, ils vont pouvoir s'imposer dans le domaine. Et non seulement ça, les commissions qu'ils perçoivent, donc les commissions par rapport aux transactions, tout et tout, c'est aussi infime. C'est aussi très infime. 0,1%. Vous voyez, 0,1%, c'est quand même petit, les amis, par rapport à d'autres toujours. Donc, nous allons maintenant faire rapidement un tour sur CoinMarketCap. Nous allons voir un peu de l'autre côté sur CoinMarketCap comment ça se présente de l'autre côté. Je vous montre ça très rapidement. Donc, actuellement, vous voyez sur CoinMarketCap, la valeur actuelle de la monnaie est de 2,89 dollars. Donc, vous voyez, c'est quand même une monnaie qui a quand même pris de la valeur. Et ici, au niveau de la capitalisation boursière actuellement, c'est ça, nous avons un truc de 65 millions de dollars. Et au niveau de la capitalisation boursière qui a été entièrement dilué, cette capitalisation boursière de 111 millions de dollars. Et le volume à 24 heures, c'est ça que nous voyons là, 3 millions de dollars, vous voyez. Donc c'est un projet quand même sur lequel beaucoup se sont déjà positionnés. Et ici, vous allez voir le nombre de pièces qui est actuellement en circulation est de 22 millions de pièces, 22 679 1414 pièces, vous voyez. Et ici, le nombre total de pièces qu'ils ont eu à créer, c'est 38 758 206 pièces. Vous voyez, donc, vous voyez le nombre de pièces ici, c'est très, très infime. Ça n'atteint même pas 50 millions de pièces. Ça n'atteint même pas ça. Vous voyez, donc, c'est quand même un projet qui est quand même sérieux. Je pense que ceux qui vont se positionner sur ce projet, quand même, auront de quoi se faire frotter les mains par la suite. Vous voyez. Donc, ici, lorsque nous venons, je vous ai dit tantôt que c'est basé sur trois blockchains. Hein? Lorsque vous venez pour copier les adresses, vous venez ici, vous allez voir les trois différentes adresses ici. Sur CoinMarketCap, nous avons l'adresse, le contrat de l'Ethereum, de la BSC et aussi de Polygon. Vous voyez, vous avez ces trois contrats-là. Et en dehors de ça, si nous devons voir par exemple les différents marchés, il nous suffit de venir un peu en bas. Et son rang actuellement, le rang qu'il occupe sur CoinMarketCap, c'est le 471e rang. 471e rang. Donc, ça fait partie des top 500 projets sur CoinMarketCap. Donc, c'est quand même un projet assez intéressant. Pour ma part, puisque c'est départi des autres projets complètement, c'est un projet qui est basé dans la publicité. Et quel type de publicité? Publicité dans le métaverse,
dans les crypto-monnaies et aussi dans les NFT et autres. Vous voyez, donc c'est quand même assez intéressant pour un projet qui propose de faire de la publicité du genre. Et vous-même, vous devez voir, si vous connaissez un peu ce que représentent les publicités, vous allez voir que c'est quand même un truc sur lequel il ne faut pas s'amuser au fait, quoi. Donc ici, vous avez les différents échangeurs sur lesquels vous pouvez faire vos échanges. Vous voyez, vous pouvez effectuer soit des achats, soit des échanges. Vous pouvez le faire sans aucun problème ici. Donc, vous allez, lorsque vous venez ici, vous allez voir les différents échangeurs et vous allez voir ce qui vous convient le mieux. Vous allez pouvoir faire vos échanges là-dessus, les amis. Donc, voilà un peu très rapidement, les amis, ce qu'il en est par rapport à ce projet. J'ai voulu vous présenter ce projet. Et comme je le dis souvent, ne suivez pas seulement les vidéos, prenez le temps de vous faire former aussi. Et nous avions mis en place une formation pour ceux-là qui veulent démarrer dans le monde du trading des crypto-monnaies ou bien qui veulent approfondir leurs connaissances dans le monde, dans ce domaine-là, de pouvoir vraiment, vraiment se lancer en toute confiance. Donc, nous avions mis en place une formation spécialement pour vous, les amis. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, qu'est-ce que vous allez faire simplement? C'est de nous rejoindre sur le forum Telegram. Vous allez voir le lien en bas de la description du forum. Rejoignez-nous sur le forum. Manifestez-vous pour que nous puissions vous prendre en charge. Ou soit, vous allez voir dans la description de cette vidéo mon contact WhatsApp. Contactez-moi pour que nous puissions discuter ensemble sur votre cas, les amis. Ne regardez pas seulement les vidéos YouTube. Prenez le temps de maîtriser vous-même ce dans quoi vous voulez mettre votre argent pour pouvoir devenir véritablement indépendant. Je le dirai toujours, les amis. Donc, voilà un peu de façon ramassée et très vite ce qu'il en est par rapport à ce projet. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, qu'est-ce que vous allez simplement faire, les amis? C'est de partager la vidéo autour de vous, à ceux qui sont intéressés par les crypto-monnaies, qui veulent dans quoi, sur quoi investir de l'argent, tout et tout. Présentez-leur cette vidéo. Peut-être ils seront quand même intéressés et vous-même, vous allez voir. Donc, on se dit à très bientôt, les amis, pour un nouveau numéro. Bye bye.